Bonjour et bienvenue chez Planéo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre nouveau papier peint Stonewall, un produit durable qui attire le regard et qui est très réaliste. Des irrégularités assez importantes peuvent être visibles à la surface, c'est pourquoi nous commençons par poncer notre surface enduite. Pour le ponçage, nous utilisons une ponceuse et un papier ponce de 120 grains. Ensuite, apprêtons la surface. Pour cela, nous diluons la colle pour le Stonewall avec de l'eau. Nous procédons ainsi jusqu'à ce que nous obtenions une masse crémeuse. Utilisez un pinceau pour les bords et un rouleau pour la surface. Nous roulons très délicatement afin d'éviter les éclaboussures sur le plafond ou les murs attenants. Avant d'appliquer la couche de fond, pensez à poser un support pour ne pas salir le sol. Enveloppez hermétiquement l'outil à la fin. Cela lui permettra de rester frais pour plus tard. Lorsque la couche de fond est sèche, nous scotchons les bords et nous mesurons la première bande de papier peint. Nous mesurons de manière à obtenir plus tard la même distance à gauche et à droite. Nous préparons le papier peint et le déroulons. Veillez à ce que toutes les bandes de papier peint soient déroulées dans le même sens. Pour la découpe, un cutter bien aiguisé ou des ciseaux de tapisserie feront très bien l'affaire. Une marque au verso nous permettra de ne pas inverser le sens de pose par la suite. Il est maintenant temps de coller. Nous reprenons notre rouleau et le pinceau de la couche de fond. Nous appliquons ainsi la colle de façon homogène et généreuse. Nous posons ensuite le papier peint sur le dessus et travaillons de haut en bas. Nous utilisons un rouleau à tapisser pour appuyer sur les bandes. La colle excédentaire est directement retirée tant qu'elle est encore fraîche. Les découpes se font très facilement avec un cutter. Chaque bande est collée séparément. Évitez de coller toute la surface en une fois, car la colle pourrait déjà avoir séché avant d'arriver à la fin. Nous laissons un petit joint entre les bandes, qui sera bouché plus tard. Nous obtenons ainsi un rendu plus authentique de notre aspect béton. Pour le jointement, nous appliquons un ruban adhésif sur les zones de jonction. Nous appliquons le matériau de jointement correspondant à l'aide d'une spatule et le lissons une fois.
Il ne reste plus qu'à retirer le ruban adhésif et c'est terminé. Si le produit de jointement se retrouve sur le papier peint, essuyez-le directement. Il ne reste plus qu'à poser la plainte et nous avons terminé. Notre Stonewall est très authentique et rappelle la nature tant visuellement qu'au toucher. Il est très durable et facile à installer. Il est possible de choisir un design similaire au béton, à la pierre, à la rouille, au grès ou au bois. Commandez des échantillons gratuits ou laissez-nous vous conseiller sur votre projet sur www.planeo.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le prochain projet chez Planeo.